السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حصة اليوم سوف نقوم بإنجاز تمارين الصفحة 23. Citronnet CM1 le manuel. La formation des noms d'action par les suffixes son, ur et ad. Lexique. J'observe et je manipule. 1. Suis les exemples, souligne les suffixes de ces noms. Suis les exemples, souligne les suffixes de ces noms. Livraison, le suffixe c'est son. Écriture, le suffixe c'est ur. Promenade, le suffixe c'est ad. Escalade, le suffixe c'est ad. Conjugaison, le suffixe c'est son. Ouverture, le suffixe c'est ur. Bousculade, le suffixe c'est ad. Clôture, le suffixe c'est ur. Liaison, le suffixe c'est son. Liaison, le suffixe c'est son. 2. Quel est le suffixe dénoncé dessus? La trahison, la peinture, la glissade. Le suffixe de trahison, c'est son. La peinture, le suffixe, c'est ur. Et la glissade, le suffixe, c'est ad. Quelle action fait-on quand on glisse sur la glace? L'action, c'est la glissade. Quand on peint un paysage, l'action, c'est la peinture. Quand on trahit un ami, l'action, c'est la trahison. 3. Relie les noms aux verbes. La cuisson, le verbe c'est cuire. La morsure, le verbe c'est mordre. La noyade, le verbe c'est se noyer. La parade, le verbe c'est parer. L'usure, le verbe c'est user. La pendaison, le verbe c'est pendre. Je construis la règle complète et choisis comme exemple des noms autres que ceux des exercices dessus. Les suffixes son, ur et ad indiquent l'action. Les suffixes son, ur et ad indiquent l'action. Les noms avec ces suffixes traduisent très souvent l'action d'un verbe et son résultat. Traduit très souvent l'action d'un verbe et son résultat. Guérir, guérison, action et résultat de guérir. Exemple. On a un exemple du suffixe « son ». Alors, lire, lecture avec le suffixe « ur » et promener, promenade avec le suffixe « ad ». Lire, lecture, promener, promenade.